Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Chacha38 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui est un nouveau jour puisque le jailbreak de la PS4 a été commencé, voire presque terminé. Puisque je ne sais pas si vous avez suivi les dernières nouvelles, mais quand vous tapez PS4 jailbreak dans les actualités de Google, vous allez pouvoir trouver plein de news. Bon, il y a des sites qui disent un peu n'importe quoi, d'autres qui disent un peu plus la vérité, donc il faut pas trop s'affoler en ce moment, mais quand même. C'est déjà une bonne chose d'avoir trouvé une faille. Donc ici nous sommes sur le Twitter de Seturt. Alors c'est ce hacker qui a en fait trouvé la faille dans le système PlayStation 4 de Sony et qui nous a fait part donc de toutes ces étapes pour avoir réussi ces étapes pour jailbreaker la PlayStation 4. Donc, tout a commencé le 6 décembre où il a publié ce petit tweet « PS4 kernel exploit finally working, thanks to everyone involved ». Donc, il a en fait exprimé qu'il avait trouvé une faille et qu'elle avait fonctionné. Et donc, ici, le 12 décembre, il a donc réussi à jailbreaker la PS4 pour la première fois. Donc, c'est vraiment une première. Et donc... celle-ci devrait fonctionner d'ici peu. Donc je pense que vous l'aurez ce jailbreak d'ici 2-3 mois si vraiment il travaille bien. Sinon vous l'aurez pas avant 6 mois, mais normalement ça aurait dû se faire. Donc je sais pas si vous avez déjà entendu parler des attaques de la PS4 par une autre team en fait, qui s'appelle la team Lizard Squad, donc qui était prévue pour le 24 décembre aussi. Et ben ici Seturt a l'air de s'en avoir chargé à leur place. Et donc si vous voulez suivre toute l'actualité, vous n'avez qu'à le suivre sur Twitter. Vous pouvez me suivre sur Twitter aussi, ma page Twitter Chacha38, pour suivre donc toutes les étapes du jailbreak. De toute façon, je vous ferai une vidéo dès que le jailbreak de la PS4 va sortir. Je vous ferai une vidéo comment jailbreaker votre PS4. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, ce jailbreak fonctionne malheureusement que pour la version 1.76. Cette version 1.76, elle date d'environ un an. Donc si vous avez mis à jour votre PS4 en ce moment, bah, c'est un peu foutu pour le jailbreak. Mais il devrait le développer encore. Mais le conseil que je pourrais vous donner, c'est de surtout ne pas mettre à jour votre PS4, même si vous avez envie de jouer en ligne. Sinon, pour ceux qui veulent la jailbreaker, vous ne pourrez pas la jailbreaker. Ça, c'est une certitude. En tout cas, vous pouvez cliquer sur les liens pour aller sur le site de Seturt et suivre ses étapes du hacking. Donc ici il a mis l'étape 1, 2 et 3 donc qu'il a effectué sur la PS4. Vous pouvez le voir ici et c'est surtout pour faire appel à des hackers pour l'aider. Donc voilà pour toutes les dates et tout ce jailbreak de la PS4. Donc je vous rappelle que je vous ferai une vidéo dès que le jailbreak va sortir. Et en tout cas je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos, me suivre sur Twitter et aimer ma page Facebook. À très bientôt.